Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, je vais ouvrir vos cadeaux et aujourd'hui je vais ouvrir des cadeaux de couleur jaune. Bon je voulais faire du suspense mais je me suis dit Kenzel, à quoi ça sert que tu fasses du suspense si de toute manière il y a tout marqué dans le titre, il y a tout marqué sur la miniature. Donc voilà, ça sert à rien de faire le suspense et là on voit déjà deux cadeaux de couleur jaune que l'on va ouvrir bien naturellement et qu'on va déglingue le look de Lalo. Désolé Lalo, si tu regardes cette vidéo encore une fois. Bon là c'est plus du beige que du jaune, hein, on est d'accord. Hein. Alors, on continue. Là, je n'en vois pas. Là c'est plus du marron que du jaune. Ouais, ici c'est du jaune, mais c'est du jaune très très clair, c'est du jaune quand même. Et merci encore à juste Julia pour la salutation. En plus Julia m'avait fait une salutation juste avant de commencer la vidéo. J'avais pu remercier en privé, mais là au moins je peux remercier également en vidéo. Du coup merci à toi juste Julia encore une fois pour la salutation. Merci beaucoup, merci. Encore? Eh ben dis donc, c'est que je suis gâtée. Merci Julia encore une fois, merci beaucoup. Et là nous avons un petit flamingo. On va le porter. Là, je ne vois pas d'autres cadeaux. Oh, merci, Julia, encore. Oh, mais elle est trop gentille. Ça fait plein de salutations. Merci beaucoup. Merci. Alors, je rappelle, ceux-là, je les ai au repas. Je pense que ça fait plus du beige noisette, vraiment, que du jaune. Hein. Je suis obligée de préciser parce que la vidéo c'était laquelle avec les cadeaux bicolores. J'avais dit au début de la vidéo que je n'ouvrais pas les cadeaux noir-gris puisque pour moi c'était limite la même couleur. Hein, et qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais t'aimes pas les cadeaux noirs et gris et tout. Alors je l'avais dit en début de vidéo. Et merci Julia encore une fois pour la salutation. Bah dis donc, ça va être une vidéo salutation juste Julia, pas une vidéo j'ouvre les cadeaux. Et merci beaucoup à toi encore une fois Julia, merci. Voilà, j'espère que, bah, que tu verras cette vidéo en tout cas. N'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Je sois sûre que tu aies bien vu la vidéo. Hein. Parce que sinon, il faudrait bien que je te remercie quelque part, non? Et merci beaucoup à toi encore une fois. Et encore une fois. Merci. Ah bah dis donc, non mais... Mais gaspille pas tous tes diamants pour moi, voyons. Merci. Oh, je suis gênée, elle m'envoie tellement de salutations. Merci beaucoup. Vraiment. Et on continue. Ou pas. Merci encore Julia, merci. Je te fais un très très gros bisou. Oh mon dieu, mais on m'a envoyé tellement de salutations. Il va falloir que je lui dise après quand j'aurai coupé la vidéo, il faudrait que je lui dise tu vas passer plein de fois dans ma vidéo. On continue. Vous voyez, si je rate des cadeaux jaunes, c'est normal, je suis bouleversée. Je suis bouleversée. On se croirait dans un film dramatique, je suis bouleversée. Ah, une petite casquette jaune. Ça tombe bien. J'avais envie de tester, parce que là, actuellement, où je tourne cette vidéo, on est dans le thème des abeilles. Et dans le thème des abeilles, vous aurez remarqué une coupe qui est assez jolie, que j'aime bien. Qui bah, sont des cheveux tout simples, avec une casquette simple, mais cette coupe, elle vaut des diamants. Et je me suis dit qu'il faudrait que j'essaye de trouver un truc similaire sans dépenser de diamants. Parce que, bon ça fait un petit peu orange mais on va l'ouvrir. Oh, ça va bien avec le jeans là, ces chaussures. Ils sont sympas en plus ces chaussures. Bon là c'est pas vraiment du jaune, hein. C'est plus du beige orange là. Moi c'est vraiment du jaune que j'ouvre. Voilà, comme celui-ci. On va le porter. Bon, cette coupe-là, elle dépasse. Vous voyez, il faut que je trouve une coupe qui ne dépasse pas au niveau de la casquette en haut. Parce que sinon, bah, ça fait pas naturel, ça fait pas super. Ça pue du vert, ça. Plus du vert. Alors... Oh. Ça va bien avec la casquette, celle-ci. Bah, tu me diras en même temps, si j'ouvre des cadeaux jaunes, c'est pour avoir des choses jaunes. Du coup, c'est forcément des choses qui vont bien ensemble. Ah Lalo, il est beau le look. En vrai, le nouveau thème, là, en plus, il est vraiment très, très beau. Le thème sur les abeilles, là.
Bon, en tout cas, ce sera pas cette chevelure qui ira avec cette casquette, hein, ça c'est sûr. Golden Boots, ça va, c'est une ceinture. Ah, nice, elle est sympa la ceinture. Elle est sympathique. Bon, c'est dommage juste que sur cette robe-là, il y a déjà un bout de ceinture qui dépasse juste ici. Du coup, ça le fait un petit peu moins. Mais en soi, c'est très beau. Hop, ça j'aime bien, mais je l'ai en tellement d'exemplaires. Mais en vrai, le collier là, ça va, il passe, il est joli. J'en ai un en vrai, il ressemble. Hop. Oh, The Robe Flamme. Eh bah, dis donc. En plus, ça va bien avec la ceinture, cette robe flamme. Enfin, ça va. C'est peut-être soit le collier en moins, je pense qu'il faudrait. Parce que le collier, du coup, il va pas avec la robe. Mais merci beaucoup pour cette robe flamme, Célia. Il y a pas mal de cadeaux beige. Genre comme ces deux-là, ça ressemble. Je pourrais faire une réouverture du cadeau beige. On va ouvrir cela. Oh, elle est sympa cette robe aussi. Bon là, ça fait plus beige. Les beiges, j'ai dit que je n'oublie pas. Je précise. Un cadeau jaune. Jaune comme le citron. Ah, ça c'est un rare, cette coupe là. Merci. Oh, Kinzel, bonjour. Tiens, la Kinzel 99. Merci pour ton cadeau. Bon là, c'est vrai, je l'ai ouvert, mais il fait plus orange que jaune celui-là, en réalité. En fait, je suis tellement stressée de me faire incendier dans les commentaires après que même des cadeaux qui sont pas jaunes, bah je les ouvre. Bon. Les bonbons. Voilà, ça fait un jaune sale, un jaune moutarde. Oh, ils sont sympas. Bon, c'est orange, hein. Cette fois-ci, j'ouvrirai pas l'orange. On continue. Mais les couleurs jaunes, ça va, c'était des beaux cadeaux hein, quand même. Hein. En même temps, c'est jaune, hein. Couleur jaune du citron, c'est normal que ce soit des beaux cadeaux. Mais c'est vrai qu'on a eu des beaux cadeaux sur cette vidéo quand même. Hein. Entre la robe flamme... Les rares là, enfin surtout cette coupe là, ça fait un petit moment que cette coupe là elle était pas revenue. Il y a quoi encore? Des fois je vois des messages, ça me donne envie d'ouvrir leur cadeau. Je reviens en arrière, vous inquiétez pas, je l'ai vu, je suis juste passé un peu trop vite. Mais comme je disais, ouais. Oh, sympa. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Bon ben voilà. Alzheimer, quand tu nous tiens. Ouais, non, je disais, ouais, des fois, il y a des messages, des jolis messages en dessous, des cadeaux, gros mots cadeaux et tout ça. J'ai trop envie d'ouvrir et je peux pas. Cadeaux avec les messages, on les avait déjà fait. Oh. Petites chaussettes. Des petites chaussettes. Où êtes-vous les cadeaux jaunes? Celui-là, il fait jaune. Hop. Là, faudrait voir, mais il faudrait que je puisse ouvrir un haut pour voir si les cheveux là ils vont bien avec la casquette. Parce que je crois qu'elle porte encore la casquette, c'est juste qu'à cause du haut à capuche, on ne voit pas très bien. On voit presque pas. Ah. Ah. Je commence à voir le rhume en plus. Ça fait plaisir. Ah. Ah bah non, ça dépasse derrière, vous voyez, c'est ça en fait. Il me faudrait en fait quelque chose qui rentre pile dans la casquette pour pas que ça dépasse, pour pas que ça fasse moche. Bon après là ça va, hein. Franchement c'est pas non plus choquant. Il y a des coupes c'est pire, mais pour faire exactement comme la coupe que je vous disais tout à l'heure avec la casquette et les cheveux. Donc d'ailleurs si vous avez trouvé un moyen d'avoir une casquette qui va bien avec une coupe, n'hésitez pas à me dire quelle section, quelle catégorie, quelle page, et j'essaierai de le reproduire. Bon allez, on va l'ouvrir, même ça fait beige. Hein. Bon, ça, je sais que ça n'ira pas avec la casquette déjà d'avance. Attendez, j'ai passé l'autre page sans même avoir bien regardé. Non, là ça fait plus orange et kaki. Ouverture de cadeaux, bonjour. Ah voilà. En tout cas, merci à tout le monde hein, pour les cadeaux, même ceux que j'ai pas pu encore ouvrir.
J'ose espérer que je les ouvrirai. Comme je disais déjà la dernière fois, ce serait pas mal que genre on puisse bloquer les cadeaux. Oh nice. On puisse bloquer les cadeaux histoire d'avoir le temps d'ouvrir déjà les cadeaux d'avant. Pour pas que les gens puissent nous en envoyer. Et encore une fois, ne m'envoyez plus de cadeaux s'il vous plaît. J'en ai beaucoup trop déjà à ouvrir. C'est super gentil hein, vraiment. C'est super gentil. Je suis la première à aimer faire plaisir, mais là c'est voilà quoi, j'ai des cadeaux qui datent de plus d'un an que je n'ai toujours pas ouvert parce que j'ai pas la foi en fait de traverser toutes les pages. Déjà que j'avais fait une vidéo où j'avais commencé à traverser les pages. Uniquement des cadeaux reçus que j'ai ouverts. Et ça m'a pris une demi-heure limite à scroller les pages pour arriver jusqu'au cadeau que je devais ouvrir. Pour la vidéo, c'était mon premier cadeau sur MSP. Pour voir c'était qui m'avait offert le premier cadeau. Là je ne vous dirai pas c'est qui, hein. Allez voir la vidéo si vous voulez savoir. Et c'était très compliqué. Bah écoutez, prochain cadeau jaune et puis je m'arrêterai là. Et j'ai un look très joli, je vais garder ce look comme ça quand Lalo elle va se connecter, elle va faire une crise cardiaque. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, Lalo c'est elle souvent, enfin c'est avec elle que je partage le compte et elle me fait souvent des jolis looks. Que moi je me fais un plaisir de détruire le look après parce que je sais qu'après elle va m'engueuler. Voilà, dernier cadeau ce sera celui de Léa0313 et encore une fois merci à tout le monde hein, et désolé pour les cadeaux que je n'ai pas encore ouvert. Et voilà, on finit sur une jolie paire de talons, très jolie paire de talons d'ailleurs, merci beaucoup. Et sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Et juste un petit rappel, n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude quelle ouverture de cadeau voudriez-vous que je fasse, sachant que si votre idée a déjà été dite antérieurement, n'hésitez pas à la remettre pour que je sache ce qui est le plus demandé. Voilà. Et moi sur ce, je vous laisse, gros bisous à vous et à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao.